Derrida, en voyant votre image dans l'écran comme une trace, je me demande si je transgresse le verbe du premier commandement, si je désigne, je prépare une idole de vous à la télévision, à cette ecclésia de la modernité. Vous comprenez que je ne vous demande pas un entretien, mais plutôt un commentaire théologique, une différence, une diaphora en grec, avec, pas avec un omicron, mais avec un oméga, une diaphora donc qui inclut le mot fort en grec ancien, voleur, voleur de la lettre, voleur d'une supposée originalité dont nous ne sentons pas, à cause de vous, le manque. Je vous demande de vous adresser un peu. Oui. Ce qui est bien, c'est ce que vous dites, c'est pas ce que vous me demandez. Moi, je ne sais pas que dire après un si beau discours. Vous savez, si je me méfie tout le temps des caméras, télévisions et des images, oui, c'est pas pour me protéger contre l'idolâtrie ou contre les idoles. Voilà. C'est parce que, au fond, j'ai peur que l'idole ne soit pas assez belle ou séduisante. C'est pas pour sauver l'original contre l'idole. Ouais. L'idole, c'est parce que j'aime trop les idoles. Ouais. Et je préfère certaines à d'autres. Ouais. Et la télévision, le cadrage avec le micro, etc., me paraît toujours produire, en ce qui me concerne, de mauvaises idoles. Voilà. Donc c'est pas du tout pour échapper à l'idolâtrie, c'est un peu païen, mon méfiance à l'égard de la télévision. Ouais. Bon. Une autre dissimulation. Ouais. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux dire, votre éloge me laisse sans voix. J'étais très touché de ce que vous avez dit en grec, ouais, en jouant dans votre propre langue, là où moi je suis absolument incapable, et où j'ai vu que vous avez greffé ou entrelacé... Ouais. La mnémotechnique et la namnesis. Voilà, le jeu de votre langue, ouais, sur ma propre langue. Ça, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup et je souffre de ne pas être allé en Grèce et de ne pas pouvoir le faire dans votre langue. Πώς θα έπρεπε λοιπόν να μιλήσω για έναν άνθρωπο που είχε γράψει πάνω από 30 βιβλία, που δεν τον δέχθηκαν στη Σορβόνη, που είναι καθηγητής σε μια ιδιότυπη σχολή, στην École des Etudes, που το σεμινάριό του κάθε Τετάρτη στο Παρίσι γεμίζει την αίθουσα, πώς θα έπρεπε να μιλήσω για αυτόν που δεν θεωρεί τον εαυτό του φιλόσοφο, αλλά αναγνώστη και που θεωρεί το κείμενο ένα σάβανο, ένα σεντόνι υφασμένο από πολλές λεπτές και διαφορετικές κλωστές. Αυτό που κάνει ο Ντεριντά είναι να εμβολιάζει, να ενοφθαλμίζει, προσέξτε τη σχέση αυτή του οφθαλμού που είναι το μπόλι πάνω στο φυτό, να ενοφθαλμίζει στο κείμενο άλλα κείμενα, ώστε όλα τα κείμενα να αναφέρονται μόνο σε κείμενα επάπειρα. Thank you.
Η εκπομπή αυτή έχει έναν εξαιρετικό χαρακτήρα. Ο Ζακ Ντεριντά επέτρεψε κατ' εξαίρεση τη μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου του στην École des Hautes Études στη συνεδρία της 29ης Ιανουαρίου 1992. Μας επέτρεψε δηλαδή να τον δούμε να διαβάζει, μας έδωσε να διαβάσουμε, βλέποντας ότι δεν μπορούμε να δούμε, ως εάν η ανάγνωση, αυτό που βλέπουμε, αυτό που έγινε μπροστά στα μάτια μας, να οργανώνεται και η ίδια στα τυφλά. Ο Ζακ Ντεριντά διαβάζει εδώ για σας τα αιρετικά δοκίμια για τη φιλοσοφία της ιστορίας του Γιάν Πατότσκα, που διώχθηκε από το τότε φιλοσοβιετικό καθεστώς της Πράγας. Με το σεμινάριο αυτό για την ισχύ, τον τεχνικό πολιτισμό, την τύχη του αργιακού μυστηρίου, την απόθυσή του από τον χριστιανισμό ή την ενσωμάτωσή του από τον πλατωνισμό, την τύχη και συγχρόνως την κρίση της Ευρώπης και τέλος την ευθύνη όλων μας που απορρέει από τη θνητότητά μας, με το σεμινάριο αυτό ο Ντεριντά επιχειρεί, όπως λέχθηκε, μια στροφή προς μια θεωρία των θεσμών και εγκατέλειψε την ανεύθυνη, όπως είπαν, και παράλογη θεωρία της γραφής ή την θεωρία της αποδόμησης. En se demandant, comme l'indique le titre de l'essai, si et pourquoi la civilisation technique est en déclin, ou pas de quoi, il répond clairement cette chute aujourd'hui dans l'inauthentique, dans le non-véritable, cette chute dans le non-véritable, ce qui n'est pas véritable, prend la forme d'un retour de l'orgiaque et du démonique. Et la modernité technique, contrairement à ce qu'on en pense généralement, ne neutralise pas, elle fait ressurgir une certaine forme du démonique. Elle neutralise aussi, certes, dans l'indifférence et dans l'ennui, mais à cause de cela, à cause de cette indifférence et de cet ennui, et dans cette mesure précisément, elle appelle le retour du démonique. Donc l'individualisme de cette civilisation technique, cet individualisme-là repose sur la méconnaissance même du moi singulier. C'est un individualisme du rôle et non de la personne. Et on pourrait dire, dans un autre langage que celui de Patochka, que c'est un individualisme du masque, ou de la persona, du personnage, et non de la personne. Et Patochka rappelle des interprétations, notamment celle de Burckhardt, selon lesquelles ce qu'on appelle l'individualisme moderne, qui se développerait en fait depuis la Renaissance, s'intéresserait d'abord au rôle joué, au rôle plutôt qu'à cette personne singulière dont le secret, justement, reste caché derrière le masque social. Si bien que toutes les alternatives sont brouillées, toutes les alternatives courantes ou reçues sont brouillées, l'individualisme devient, n'est en fait qu'un socialisme ou un collectivisme, c'est-à-dire un faux individualisme, c'est le simulacre d'une éthique ou d'une politique de la singularité. Le libéralisme rejoint le socialisme, la démocratie rejoint le totalitarisme, toutes ces figures partageant la même indifférence à ce qui n'est pas justement l'objectivité du rôle. Ce qui intéresse, c'est l'objectivité du rôle, aussi bien pour l'individualisme, que le socialisme, que le collectivisme, que le libéralisme, que le totalitarisme, que la démocratie, dans cette mesure. L'égalité entre tous,
qui est le mot d'ordre de la révolution bourgeoise, dit Patochka, l'égalité entre tous devient l'égalité objective et quantifiable des rôles et non pas des personnes. Des personnages, si vous voulez, non pas des personnes. Alors cette critique du masque, du rôle ou du simulacre, surtout quand elle est associée, cette critique, au nom de la vérité ou de l'authenticité originaire, quand elle est associée à une critique de la technique, rejoint évidemment une tradition, vieille tradition. Patochka n'est sans doute pas assez sensible à cette permanence dont la logique paraît quasiment imperturbable de Platon à Heidegger. Et de même que le rôle joué dissimule sous le masque social, dissimule l'authenticité du moi irremplaçable, de même, la civilisation de l'ennui, qui en est solidaire, et telle qu'elle est produite par l'objectivité technoscientifique, elle dissimule le mystère. Patochka critique, ou disons péjore, dénonce l'inauthenticité, la technique, l'ennui, l'individualisme, le masque, le rôle, tout cela relèverait de ce qu'il appelle une métaphysique de la force. Métaphysique passive, page 115. La force est devenue la figure moderne de l'être. L'être s'est laissé déterminer comme une force calculable, et l'homme, au lieu de se rapporter à l'être caché sous cette force, sous cette figure de la force, l'homme moderne se représente lui-même comme une puissance quantifiable, comme une force quantifiable. Il se pense lui-même comme force, mais force sous le régime de la quantité mesurable et du calculable. Et cette détermination de l'être comme force quantifiable et de l'homme comme l'une de ses forces et la plus forte de ses forces, cette détermination de l'être comme force, Patochka la décrit selon un schéma analogue au moins à celui de Heidegger, du Heidegger des textes sur la vie. Il écrit par exemple, je cite assez longuement, l'homme a cessé d'être rapport à l'être, dit-il, pour devenir une force puissante, l'une des plus puissantes, et ce superlatif, l'une des plus puissantes, signifie bien que l'homme se range lui-même de façon homogène parmi les forces du monde, et seulement comme la plus forte d'entre les forces. Patochka poursuit, il est devenu l'homme dans son être social, en tant qu'étant social. Il est devenu surtout un poste émetteur immense qui libère les forces cosmiques, emmagasinées et enchaînées pendant des éternités. Il semblerait qu'il soit devenu, dans le monde des forces pures, un grand accumulateur, donc un post-émetteur, un accumulateur. Donc l'homme est devenu une machine à produire, à capter des forces et à distribuer des forces. Il semblerait qu'il soit devenu dans le monde des forces pures un grand accumulateur qui d'un côté exploite ses forces pour exister et se reproduire, mais d'un autre côté se trouve, pour cette raison même, branché au même circuit, emmagasiné, quantifié, exploité, et manipulé comme n'importe quel autre état des forces.
Η τηλεοπτική αυτή εκπομπή για τον Ζακ Ντερίντα συνιστά ένα παράδοξο, θα έλεγα ένα πάθος της ίδιας της σκέψης και γιατί όχι και της τηλεόρασης. Ο Ζακ Ντερίντα παρουσιάζεται και μας μιλά. Μας μιλά κάποιος που θεωρεί την φωνή και την παρουσία ως επιβολή και κατήσχηση και που αντίθετα εγκομιάζει τη γραφή όχι ως αναπλήρωμα της φωνής αλλά ως παράγοντα συγκρότησης των υποκειμένων. Πιστεύω πως είμαστε οι ψηλοί κύριοι αυτής της παράδοξης φιλοσοφίας και πως είμαστε και οι ψηλοί κύριοι αυτής της δύσκολης εκπομπής, γιατί η επικαρπία, η κάρπωσή της ανήκει σε όσους προβαίνουν προς αυτή την εκπομπή, θα έλεγα με έναν τρόπο αρνητικό, με έναν τρόπο αποφατικό, περισσότερο με αγνωσία παρά με γνώση, σε όσους προβαίνουν προς αυτόν τον γνώφο που είναι η φιλοσοφία του Ντερίντα, η σκέψη του Ντερίντα, ένας γνώφος που ακτινοβολεί. Και τότε η εκπομπή κινδυνεύει να μην έχει παραλείπτη. Και πράγματι, αγαπητοί τηλεθεατές, η εκπομπή αυτή δεν έχει παραλείπτη. Γίνεται μια παραπλανητική εκπομπή, μια παραπλανητική περιπλάνηση στο έργο ενός σύγχρονου στοχαστή που δεν έχει αποδέκτη. Πιστεύω ότι στο τέλος θα βρει τον αποδέκτη της. Σαν το κλεμμένο γράμμα από την νουβέλα του Πόε, η εκπομπή αυτή θα υπαγορεύσει παράδοξα ένα σχόλιο που υπαγόρευσε ο Πλάτων στο Σοκράτη, που θα βρει τον προορισμό του, γιατί θα είναι κρυμμένο στο εμφανέστερο σημείο, στον τηλεοπτικό σας δέκτη, εκεί που μπορεί κανείς να κρύψει αυτό που δεν θέλει κανείς να βρει, στο εμφανέστερο σημείο, στην τηλεόραση. Les cas, on a ici un exemple de cette logique du secret qui nous importe, que nous avons suivi jusqu'ici, à savoir que le secret n'est jamais mieux gardé que dans son exhibition. La dissimulation n'est jamais mieux dissimulée que par cette espèce particulière de dissimulation qui consiste à affecter, à feindre de l'exposer, ou de la dévoiler, ou de la mettre à nu. Et de la même manière, le mystère de l'être est dissimulé par cette dissimulation inauthentique qui consiste à exhiber l'être comme force, à le calculer, à l'objectiver, à le quantifier, à le montrer dans son masque, dans sa fiction ou dans son simulacre. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut être surpris de voir Patočka évoquer ici la lettre volée de Poe, mais en tout cas, il nous permet ainsi de relier tous les thèmes qui nous occupent depuis le début de l'année et de rapprocher, fût-ce pour les opposer une fois de plus, disons le sérieux d'une méditation heideggerienne du Geheimnis, par opposition à la logique de la curiosité, et d'autre part, une certaine littérature américaine, un certain type de littérature américaine du secret, de Poe à Melville, à Hawthorne ou à James, sans oublier Baudelaire au passage.
la place du mort étant essentielle dans le jeu de la lettre volée, cela nous fournit une bonne transition vers ce que j'appellerais l'appréhension de la mort, à savoir cette manière de se donner la mort qui me paraît imprimer à cet essai hérétique son mouvement de nous. J'avais déjà la dernière fois tenté de justifier l'ambiguïté de l'expression se donner la mort, ce que j'appelle ici l'appréhension de la mort, vise aussi bien le souci, la sollicitudo, la sollicitude inquiète, ou le soin pris de l'âme, Platon, epimeneiates psuches, dans la menete thanatou, aussi bien cela, donc le soin pris de l'âme ou de la mort, que la signification apportée à la mort par l'attitude interprétative qui, dans des cultures différentes, à des moments distincts, par exemple dans le mystère orgiaque, puis dans l'anabase platonicienne, puis dans le mystère ultramendum, chaque fois appréhende différemment la mort, se donne différemment la mort, cela donne différemment, se donne une approche différente de la mort. Il y a des cultures de la mort. Et ce qui intéresse Patochka, c'est justement la succession généalogique ou la synchronie structurale de ces différentes approches, appréhensions ou cultures de la mort. Donc l'approche ou l'appréhension de la mort désigne aussi bien l'expérience de l'anticipation que, indissociablement, la signification de la mort qui s'esquisse dans cette approche appréhensive. C'est toujours une manière de voir venir la mort, de voir venir ce qu'on ne voit pas venir, et de se donner ce qu'on ne peut sans doute jamais se donner purement et simplement. C'est là ce que j'appelle le se donner la mort. Chaque fois le moi anticipe, je dis le moi pour rester dans le code de Patochka, chaque fois le moi anticipe sa mort, en lui donnant ou en lui conférant une autre valeur, en se donnant, ou en vérité en se réappropriant ce qu'il ne peut pas se réapproprier. C'est là, se donner la mort, dans l'anticipation, et s'apprivoiser, d'approcher, de s'approprier ce qui, justement, par définition, ne peut pas s'approprier. Dans cette responsabilité, et le philosophe naît du même coup à sa propre responsabilité. C'est-à-dire, le philosophe n'advient comme tel qu'au moment, nous l'avons vu la dernière fois, où non seulement l'âme, la psyché, se rassemble dans la préparation qui exerce la mort, mais où elle accepte la mort. Elle l'accepte, cela donnant, même par cette acceptation, qui la délivrera du corps en lui donnant ce rassemblement, en lui permettant de se recueillir sur elle-même, mais qui, en la délivrant du corps, la délivrera de la démonie et de l'orgiasme, c'est-à-dire du mystère orgiasme. Ce qui veut dire que l'âme accède par le passage de la mort, ou par cette nouvelle approche de la mort, à sa propre liberté. Voilà. Premier moment où l'appréhension de la mort change, passage du mystère orgiaque à l'anabase platonicienne. Et alors le mysterium tremendum chrétien inaugure, on peut dire, une autre mort, une autre manière de se donner, de donner la mort. Et alors notez que cette fois,
dans le texte de Patočka, le mot de don est prononcé. Cette autre manière d'appréhender la mort, c'est-à-dire, là encore, la responsabilité, provient d'un don reçu de l'autre, de celui du grand autre, si vous voulez, de l'autre absolu, de Dieu, de celui qui, dans sa transcendance absolue, me voit sans que je le voie, me tient dans sa main en me restant inaccessible. Et pour comprendre en quoi ce don de la loi est non seulement l'émergence d'une nouvelle figure de la responsabilité, mais aussi celle d'une autre mort donnée, une autre figure de la mort. Pour comprendre cela, il faut prendre en compte une certaine irremplaçabilité du moi, la singularité irremplaçable du moi qui surgit à ce moment-là. Ce par quoi, et c'est cela l'approche de la mort, ce par quoi l'existence se soustrait à toute substitution possible, devient irremplaçable et donc fait l'expérience de sa singularité. C'est dans la mort. Faire l'expérience de la responsabilité depuis la loi donnée, faire l'expérience de sa singularité absolue et appréhender sa propre mort, c'est la même expérience, puisque justement la mort est bien ce que personne ne peut affronter à ma place. Dans cette logique, mon irremplaçabilité mais bien donnée, conférée, on pourrait dire donc donnée par la mort. C'est la mort qui me donne à être ce que je suis, à savoir singulier et irremplaçable. La mort m'est donnée comme ce qui me donne aussi la singularité non substituable, et c'est le même don, c'est la même source. On devrait dire la même bonté, c'est la même bonté qui donne la mort. Et c'est la même loi. C'est depuis la mort comme lieu de mon irremplaçabilité, c'est-à-dire de ma singularité, que je me sens appelé à ma responsabilité. Puisqu'il n'y a de responsabilité que là où personne ne peut faire ce que je fais à ma place. En ce sens, seul un mortel est responsable. Seul un mortel, seul quelqu'un qui se sait mortel, accède à sa responsabilité, à ce qu'il veut seul faire, et personne ne peut. Personne ne peut mourir pour moi. Si pour moi, veut dire à ma place, au lieu de moi, hein, là, c'est un discours sur ce que veut dire pour moi qui veut nous occuper ici. Personne ne peut mourir pour moi. Expression dont la syntaxe peut naturellement induire bien des équivoques. Personne ne peut mourir pour moi si pour moi veut dire à ma place. Der Tod ist, sofern er ist, mais präsenzmäßig jeder meine. La mort est, pour autant qu'elle est, il suffit de dire que la mort est, alors regardez le mot entre guillemets, la mort, pour autant qu'elle est, est essentiellement chaque fois la mienne. Toujours la mienne. La mort est la mienne. Et c'est dans l'approche de la mort, l'appréhension de la mort, que j'expérience ce que veut dire ce qui est le mien. Rien n'est plus mien que la mort. Thank you.
mourir pour Dieu, mourir pour la patrie, ou mourir pour sauver des enfants, ou sauver l'être aimé. Ça, c'est le sacrifice, comme le mourir pour l'autre. Donner sa vie pour l'autre. Non pas mourir à la place de l'autre, mais mourir pour l'autre. Donner sa vie pour l'autre. Alors Heidegger y insiste, c'est le bon sens même, donner sa vie, mourir pour l'autre, ça n'est pas mourir à sa place. Ce n'est pas mourir pour l'autre au sens de mourir, de prendre la place de l'autre dans la mort. Au contraire, c'est dans la mesure où le mourir s'il est, so wer es ist, dans la mesure où il pourrait dire qu'il est, dans la mesure où le mourir reste le mien, irréductiblement, que je peux mourir pour l'autre, que je peux donner ma vie à l'autre, etc. C'est dans la mesure où je ne peux pas mourir pour l'autre que je peux mourir pour l'autre. De sens du pour l'autre. Donc c'est à la mesure de cette irremplaçabilité là qu'il y a ou qu'on peut penser un don de soi. Je peux donner toute ma vie pour l'autre, je peux offrir ma mort à l'autre, mais je ne remplacerai pas, je le sauverai ainsi que quelque chose de partiel dans quelques situations particulières. Dans le cas, il y aura échange, un sacrifice non total, économie du sacrifice si vous voulez, mais je ne délivrerai jamais l'autre de sa propre mort en ce que justement elle affecte le tout de son être. Car tout ce discours sur la mort est guidé, comme vous savez, par l'analyse que Heidegger appelle la Daseinsganzheit, la totalité du Dasein. La question de la mort concerne la totalité du Dasein. Et justement, la mort, en tant qu'elle concerne la totalité du Dasein, c'est ce que je ne peux pas... ce dont je ne peux pas délivrer l'autre. De sa mort totale, je ne peux pas le délivrer. Alors je peux à un moment donné, sauver sa vie, lui permettre de vivre plus longtemps, en me sacrifiant sa place, lui donner un rein ou mon cœur, ou jeter en avant. Bon, je peux lui permettre de vivre plus longtemps, je peux aider toute la communauté partiellement en offrant ma vie, mais je ne peux pas délivrer les autres l'autre de sa propre mort. Ça veut dire, pour insister lourdement, que je peux tout donner à l'autre, sauf l'immortalité, sauf mourir pour lui au point de le délivrer de sa mort. Je peux mourir pour lui dans une Bestimmungssache, hein, dans une situation où ma mort lui donne un peu plus de temps à vivre, ou à vivre mieux. Sauver quelqu'un en me jetant à l'eau ou au feu pour l'arracher à la mort, je peux lui donner mon cœur, comme on le disait à l'instant, au sens littéral ou au sens figuré, pour lui assurer quelque longévité, quelque mieux-être, mais je ne peux pas mourir. Ça signifie, si vous tenez compte de ce que je disais il y a un instant, à savoir que seul un mortel peut donner et être responsable, nous devons ajouter maintenant ceci, et ce mortel ne peut donner qu'à du mortel, puisqu'il peut tout donner sauf l'immortalité, sauf le salut comme immortalité.
Εδώ λοιπόν η αποδομητική κλίδα της σκέψης του Ντεριντά, συνοψισμένη, γραμμένη, αν θέλετε, στο κείμενο ως εξής, στα γαλλικά, différence, διαφορά, που ο Ντεριντά την γράφει ως différence, το ε το αντικαθιστά με α, με α, και που εμείς νομοποιούμαστε μέσα στην ίδια λογική να αντικαταστήσουμε το όμικρον με ένα ωμέγα, και τις δύο φορές συμβαίνει τι. Η λέξη ακούγεται το ίδιο, différence, différence, διαφορά, διαφορά, αλλά διαβάζεται διαφορετικά. Γιατί υπάρχει ακριβώς ο αναγραμματισμός, ο μεταγραμματισμός, η διαγραφή του όμικρον σε ωμέγα ή του έψιλον σε αλφα. Με αυτό το πείραμα, με αυτό το γραφικό, με τις δύο έννοιες του όρου, ντοκουμέντο, τεκμήριο, ο Ντεριντά θεμελιώνει την άποψή του, σύμφωνα με την οποία αυτό που διαφέρει δεν είναι αυτό που είναι άλλο, αλλά αυτό που διαφέρει μέσα στο ίδιο, μέσα στην ίδια τη λέξη. Η γραφή είναι πολλαπλή ή δεν είναι. L'écriture est nombreuse ou elle n'est pas. Αυτή είναι η αρχή της σκέψης του Ζακ Ντεριντά, ενός φιλόσοφου που τόσο πολύ διώκεται, εξορίζεται, γιατί είναι άτοπος, δαιμονικός, όπως ο Σοκράτης, όπως ο αρχαίος φαρμακός, αυτός που φαρμακώνει και που συγχρόνως θεραπεύει, το φάρμακο και το φαρμάκι. Η σκέψη του Ντεριντά σε όλο τον κόσμο, τελευταία στο Κέμπριτζ, ένα οχυρό της αναλυτικής αγγλικής, αγγλοσαξονικής σκέψης, που τον δέχεται παρά τις αντιρρήσεις και παρά το γεγονός ότι κάποιος αντίπαλός του είπε, μα πώς είναι δυνατόν, θέλετε να κάνουμε διδάκτορα επίτιμο κάποιον σαν τον Ντεριντά, κάποιον που αρνείται το νόημα, κάποιον που όταν τον διαβάζουμε αρρωσταίνουμε, είναι σαν να θέλουμε να κάνουμε αρχηγό της πυροσβεστικής έναν πυρομανή. Αν με ενδιαφέρει ο Ντεριντά και αν ο Ντεριντά διδάσκεται εδώ στην Πάντιο, δεν είναι για να αποδομήσει τον θεσμό. Ο θεσμός υπάρχει, είναι ακλόνητος. Είναι για να δείξει μέσα από τις δυσλειτουργίες του τις πιο λειτουργικές ιδιότητές του. Αυτή είναι η αποδόμηση. Ο θεσμός, το πανεπιστήμιο, είναι συγχρόνως ένα κρεματόριο, μια κουζινιέρα που διάφοροι μάγειροι μαγειρεύουν αποτελέσματα, αλλά είναι και μια μηχανή. Μια μηχανή που επινοεί. Και η επινόηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι η επινόηση του όμικρον και του ωμέγα της διαφοράς, όπως έγραφα λίγο πριν. Voilà, c'est une promesse que je fais en français. Le plus tôt possible, je viens en Grèce en personne, pas à travers des images, mais moi-même, le plus tôt possible. Vous-même, dans votre idolopie, hein, dans votre idole à la fois, votre idole du discours et de l'écriture, n'est-ce pas? Ça, l'idole, elle ne m'appartient pas, je ne suis pas responsable. J'essaierai de venir... Non, je ne parle pas d'idole de vedette, je parle d'une idole plutôt d'un double... un colosse, un double. Oui. Ça le Colossos a toujours des. Comment dire.
une signification un peu spectrale et mortelle. Ouais. Hein, c'est toujours le double du mort double quand je mort, pense au Colossus. Je me suis beaucoup intéressé au Colossus après Vernon. Ouais. Et évidemment, c'est à la fois le phallus érigé et le double du mort. Alors, je préfère aller en Grèce vivant sans Colosse. C'est ça. Le seul chose que je vais vous dire en terminant, c'est, je ne veux pas vous déranger plus tôt, c'est que ce que vous dites à l'entretien avec Ewald, que vous n'avez pas un message à donner, que vous n'êtes pas un philosophe, mais qu'il y a de normatif dans ce que vous dites, chose qui est tout à fait. Est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire comme ça, parce que c'est très important pour comprendre qu'est-ce qui est Derrida, qu'est-ce qui présente Derrida comme philosophe, comme quelqu'un qui envoie des alors, messages. Alors, quand je dis pas de message, je veux dire deux choses, pour simplifier. Hein. Voilà. L'une, c'est que la figure du philosophe qui délivre un message, ressemble à une sorte de prophète des temps modernes et qui dit voilà ce que je vous donne à entendre, voilà ce qu'il faut faire, etc. Ça, c'est une figure qui est, à mon avis, passée. Et en ce sens, je n'ai aucun message à délivrer. D'autre part, deuxièmement, si le message, c'est toujours le contenu d'un discours qu'on envoie, n'est-ce pas ? Le concept de message appartient à un discours de la communication, du langage comme communication, contre lequel j'ai un certain nombre de réserves. Quand je parle, quand j'écris, c'est ce que je disais au point dans le séminaire tout à l'heure en parlant de l'adieu, le langage ne consiste pas à émettre un contenu qu'on envoie à l'autre, mais c'est un acte, c'est un événement. Il y a une parole performative qui consiste à faire quelque chose et pas à envoyer un contenu. Et tu commences par l'expérience des décidables. Et quand j'écris ou quand je parle, je souhaite faire quelque chose, en produire un événement qui ne consiste pas essentiellement à émettre ou à envoyer un contenu qu'on pourrait séparer de l'acte ou de la forme de la performativité. N'est-ce pas ? Donc, de ce point de vue-là, non plus, il n'y a pas de message. Quant à la normativité, j'ai dit, oui, bien sûr, d'une certaine manière, tout discours est normatif, mais que je me méfie de la notion de norme. Et je pense qu'une vraie responsabilité, une décision, finalement, n'est possible qu'au moment où il n'y a pas de normes. Quand il y a des normes, quand il y a des règles, ça veut dire qu'on peut appliquer les règles, qu'on peut suivre les normes, on sait ce qu'il faut faire. Quand on sait ce qu'il faut faire, il n'y a pas de responsabilité. On vous méfie aussi de la notion du contrat, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Enfin, de quelque chose de la notion de contrat qui produit des normes. En tout cas, la notion de norme, tout en sachant qu'il n'y a pas de discours qui soit pur de toute normativité, je prétends que l'engagement dans une responsabilité, une éthique, politique, dans une décision, suppose qu'à un moment donné, je n'ai pas de normes, que j'agis sans normes. Il y a des normes, bien sûr, mais le moment de la décision suppose que la norme ne contrôle pas, ne commande pas ce que je fais. Autrement, ce que je ferais serait simplement une application programmée, en quelque sorte. Mais quand même, il y a une norme dans l'invention, n'est-ce pas ? En plus. Mais le moment, la pure invention produit une nouvelle norme, mais l'invention elle-même n'est pas normée. Et pourquoi toute invention est anormale, ou en tout cas énorme, ou en tout cas déplace les normes. L'invention est toujours l'invention d'une autre normativité. Voilà. C'est tout.
Δεν μπορώ να σας δώσω ελπίδες όταν θα συμφωνώ.